Salut à tous, je suis Salut en compagnie amis. De Zekaria. Aujourd'hui on fête le premier anniversaire de notre société. Joyeux anniversaire. Et du coup on va cuisiner un gâteau Hearthstone en compagnie de Pauline. Coucou. Ok, donc vous inquiétez pas, on se transforme pas en chaîne de cuisine. Mais bon, c'était pour fêter symboliquement les 1 an. On est de retour dans la cuisine où on avait cuisiné les côtelettes de Shimrock. C'est la cuisine de Pauline, voilà. Pauline qui a lancé une chaîne YouTube, Levez l'Euro, c'est ça? 4 abonnés, tu fais la déco, do it yourself. C'est ça. Et donc aujourd'hui, tu vas nous aider à confectionner un gâteau Hearthstone. Ouais. Comme notre chaîne à la base, c'est quand même du Blizzard. Hearthstone a beaucoup fait grandir la chaîne. J'ai le modèle du gâteau, attends. Si on ne se trompe pas, si on réussit la recette avec brio, le gâteau ressemblera à ça. Et on est venu chez toi, Pauline, parce que t'es vraiment une cuisinière hors pair. Moi, j'ai jamais fait de gâteau de ma vie, donc on avait vraiment besoin de toi. Donc, on va commencer par le bain-marie. Bah, tu vas nous coacher, hein, vas nous dire ce qu'il faut faire. Donc, on va commencer par le sucre. Genre, bah, pendant ce temps, tu peux casser les deux. Ok. C'est pas grave s'il croustille le gâteau. Bam. Du coup, 90 grammes de sucre, donc faut tout mélanger. Ah, d'ailleurs, faut réchauffer le four. Alors. Ça va, c'est écrit dessus. Et voilà. Ah bah voilà, c'était déjà prêt, déjà rien à faire. Voilà, ça fouette. Il faut faire du beurre fondu maintenant. Donc les amis, là on est en train de préparer la pâte du gâteau. Et ensuite, on fera une chantilly maison. Donc on va faire fondre 30 grammes de beurre. Ça va, champion? Ah bah oui, je me suis entraîné des années. Tu peux ça. Le faire, expert de la branlette. Arrête, j'ai des photos dossiers, ZK, hein, sinon je les ressors. Donc les amis, vous devez fouetter très longtemps du sucre et des œufs. Et ensuite, on va incorporer du beurre, 30 grammes de beurre qu'on va fondre, avant d'ajouter... Je tente un truc. De la farine. Je tente une nouvelle technique de fouet. On va rajouter de la vanille. C'est pas facile, hein. Voilà les amis, notre pâte commence à se former. Donc là les amis, on est en train de tamiser la farine au-dessus de notre mélange pour créer la pâte et on va mélanger ça avec cette super machine. Hop, la farine bien tamisée. C'est pratique. Le problème, c'est que ça n'a pas l'air d'être hyper gonflé. C'est on a fait de la merde. Un tout petit problème d'œuf. C'est de la pâte à crêpes en fait. Voilà, on s'est gouré. Mais c'est pas grave parce que Pauline est une magicienne, elle va nous refaire ça. Donc ce qu'on avait fait là-bas, ça ressemblait à ça. Effectivement, le mélange devait être un peu plus blanc comme ça. Là, c'est plus, on est plus sur une brique. Si tu veux colmater une fissure dans un mur, hein, tu peux utiliser ça. ça met de la fumée. Regardez, au milieu. Et après? Bah, après, on met au four. 20 à 30 minutes. Il faut vérifier régulièrement la cuisson. Ça serait bête qu'un si beau gâteau cuise trop longtemps. Allez, on va faire la chantilly pendant ce temps. Il nous faut 250 g de mascarpone, 50 centilitres de crème liquide, 2 sachets de sucre vanillé, 2 cuillères à soupe de sucre glace. Et il va falloir qu'on détende la mascarpone. Alors, j'ai jamais détendu une mascarpone. Je peux lui raconter des trucs pour un petit peu la mettre dans l'ambiance. Je détends. Désolé. On a une mascarpone qui est bien détendue, bien posée. Et maintenant, on passe à l'étape chantilly. C'est une étape supplémentaire que tu nous as rajoutée parce que tu t'es dit qu'on était d'excellents cuisiniers. Du coup, comment on fait la crème chantilly? Prends de la crème liquide, fluide, entière. Tu mets dans la machine. Et voilà. Waouh, la belle chantilly de Pauline. Regardez comme elle est magnifique. Ouais. Allez, vas-y. Et en fait, tu vas doucement pour pas la détruire. C'est ça. Donc ça va être le contenant du gâteau en fait. Les amis, donc la cuisson de la pâte est terminée. Regardez notre pâte du gâteau. On va faire 4 couches, non? Ah, 4 couches. On fait le ah ouais. L'Empire State Building. Trump Tower. Il n'a parti qu'une belle couche. Ouais, tu es gourmet. Gourmet croqué. Ok, c'est bien parce qu'on a fait juste ce qu'il fallait de mascarpone. Hein. Il n'y a vraiment plus grand chose. Les amis, notre gâteau. Tiens, Zeka. Et ensuite, on va s'atteler, Zeka, à fabriquer le logo Hearthstone avec de la pâte à sucre. Pâte à sucre. Voilà, donc là c'est la petite nappe blanche qui va recouvrir l'intégralité du gâteau. Allez Zeka, sors-nous le gâteau, qu'on recouvre ça. Donc là les amis, le but c'est de faire l'étoile, le logo de Hearthstone avec de la pâte à sucre. C'est le moment sculpture. Bah du coup, on va pouvoir assembler le tout. La touche finale.
Les amis, là, c'est... là, c'est le moment de vérité. Le moment critique. 3 heures de tournage. Je me soulève. On met la petite bougie. Joyeux anniversaire, voilà. Voilà. Un an de la société, on lui faire un petit gâteau Hearthstone pour le délire. Merci beaucoup, Pauline. Ouais. T'as fait les 4 cinquièmes du gâteau. Enfin, les... Eh bien, on va souffler la bougie. Allez, 1. De toute façon, c'est de la déco, hein. C'est pas mauvais. Bah, c'est bon. Hein. Bon ben les amis, on espère que vous aurez apprécié cette vidéo. C'était voilà une petite vidéo hors sujet pour fêter le premier anniversaire de la société. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos hein, si vous le refaites chez vous. Et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. À demain. Salut à tous.